j'adore siffler des airs différents. Marine, Marine! Mes oreilles! Ça fait mal! Tu n'aimes pas mon sifflement? C'est très offensant. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez de quoi vous occuper votre bouche. Regardez combien de crème glacée j'ai. C'est fantastique. Et j'ai des chewing-gums épicés. Ce n'est pas juste. Quelle horreur! Je ne t'envie pas. Je propose que nous commencions. Toi d'abord. En fait, j'ai un peu peur. Je ne voudrais pas précipiter les choses comme ça. D'accord, voyons voir ce que j'ai dans le paquet. Voir ce chewing-gum si épicé qu'il est même fumant. Peut-être que je vais y mettre ça. Je vais devoir vérifier. Oh, je n'ai pas d'autre choix de toute façon. Oh non. Je pense que j'ai tiré des conclusions hâtives. Ma bouche est en feu. Comme c'est épicé. Je sais dis quoi, Marie. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ça sent le brûlé? C'était de moi? Ah, j'ai dû l'imaginer. Oh, je pense que les flammes se sont calmées. J'ai besoin de quelque chose de froid. Et l'état crème glacée est très bien. Ça va, Marie? Je comprends. On dirait que ta tête est coincée dans un pot. Tiens bon, je vais t'aider. Merci, Lily. C'est enfin terminé. Comment je suis censée manger cette glace maintenant? Il y a une empreinte de ton visage et de tes cils aussi. Ça a l'air dégoûtant. Ça te coupe vraiment l'appétit. Merci de l'avoir ramené. Nous devons te récouler. C'est beaucoup mieux. Moi, j'ai toujours des mauvaises associations et j'ai pensé à quelque chose. Il faut retourner la crème glacée et commencer à aller manger de l'autre côté. Je tapote le fond. Et maintenant, je peux soulever. Génial! C'est encore mieux qu'avant. Maintenant, je peux l'essayer. Oh, mon rêve est devenu réalité. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur qu'une glace au chocolat? Je ne pense à rien du tout. Oh oui, t'as de la chance. Marie, tu n'as pas idée à quel point c'est délicieux. J'aimerais pouvoir l'essayer. La crème glacée s'écoule si vite et que j'y ai pris goût. Pourquoi faut-il si froid ici? Je ne peux pas bouger. Oh non, Lily est gelée. Elle s'est transformée en statue de glace. Nous devons le réchauffer tout de suite. J'espère que le chewing-gum m'aidera à le refaire. Lily, ouvre ta bouche, j'ai une idée. Peut-être que tu ne devrais pas faire ça. C'est notre seule chance de te ramener à la vie. C'est cool. Génial. Mais maintenant, je suis en feu. C'est un effet secondaire. On ne peut rien y faire. Désolée, je ne peux pas plus m'empêcher. Alors, où est notre nourriture? Regarde, c'est là. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une fontaine de chocolat. Nous devons l'essayer tout de suite. C'est vraiment du chocolat. Je ne me suis pas trompée. Mon Dieu. Et toi, Lily? C'est une fontaine de chewing-gum. Je n'ai jamais rien vu de tel. Regarde combien il y en a. Je dois en essayer tout de suite. C'est si doux. C'est génial. Waouh. Tu peux l'imaginer. Je ne peux pas m'en arracher. Il y a tellement de saveurs. Oh, je crois que mon chewing-gum est coincé. Je n'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce que c'est? Peut-être il ne fallait pas essayer si fort. Oh non, c'est hors de contrôle. Peut-être que tu n'aurais pas dû essayer si fort, Lily. La situation est devenue incontrôlable. Tu sais, il y a quelque chose de cool. Maintenant, j'ai toujours le chewing-gum. Et la coiffure est trop bien. Ouais, comme tu dis. Il est temps de faire ma fontaine. Au fait, c'est aussi bon que ton chewing-gum. Mais il manque quelque chose. Je sais, je m'en occupe. J'adore les cupcakes pops, ils sont si cool. Andy, je vais le prendre, merci mon pote. Et en fait, c'est moi. Regarde ce que j'ai, Lily. Je vais manger un cupcake pops. Le couvert de chocolat, n'est-ce pas génial? C'est si joli. Oui, ça a l'air vraiment bon. Nice job. Mais il me faut plus de chocolat. Ouais, c'est ce dont j'ai besoin. Une toute autre chose. Bien joué, Marie. Il est si lourd que je tombe. Voilà. Les cupcake pops m'ont mis sur les empolates. Maintenant, je me sens assez mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Nouveau chapeau? Oui. Comme le tien.
Oui, nous sommes dans le même style. Mais maintenant, la nourriture est toujours à portée de main. J'aime beaucoup ça. Moi aussi. Super. Je déteste attendre, c'est tellement ennuyeux. Oui, je ne sais plus quoi faire de moi. Oui, enfin, notre nourriture. Super, mon Dieu, quelle énorme pot de Nutella. Je vais enfin en avoir assez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Heureusement que je fais en toute simplicité. Ouvre le pot et tu peux manger. Oh, j'ai une idée. Je vais faire des sandwichs à la pâte de chocolat sucré. Mais d'abord, nous devons griller le pain. J'aime comme il est croustillant. Eh bien, nous allons devoir attendre un peu. Pendant que le pain est dans le grille-pain, je vais faire les pâtes. Super, le voilà. Volant directement dans mes mains. Quelle pièce énorme! Super! What? Comment t'as fait ça? T'as mis un petit morceau de pain dans le grille-pain. N'essaie pas de comprendre, juste accepte. Eh bien, commençons à préparer les plus délicieux des toasts. Comme la pâte est belle. C'est le moment de l'étaler directement sur le pain. Lily, regarde comme les taches sont jolies. Ça ressemble à un glaçage de gâteau. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai que la croûte? Je suis si bon aujourd'hui. Il est temps que je prenne des selfies. Qu'est-ce que c'est que ça? De la croûte de pain? D'où ça vient? On dirait que la farce était trop lourde et que la croûte s'est détachée. C'est bon, c'est encore mieux sans. Je vais prendre des billettes de pain en pépites chocolat. C'est très agréable au toucher. Comment délicat biscuit à la crème. Oui, le goût également excellent. Super. Je suis satisfaite. C'est bien qu'il y en ait autant. Je veux encore et encore. Je peux à peine en contenir. Ça a l'air très appétissant. Mon plan était brillant. Maintenant, c'est ton tour, Lily. Je vais enfin devoir trouver ce que c'est. On dirait une grosse arme. Il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas quoi faire. Waouh! On dirait que ça tire du chewing-gum. Je vais essayer de manger. C'est génial. Oui, il faut gonfler une bulle. Quelle surprise! T'as de la chance. Et maintenant, ma sortie. Lily, je dois intervenir. Je vais mettre ce pot ici. Fais comme si c'était ta cible. Qu'est-ce que je suis censée faire? Ah! Tu dois tirer dessus. Je pense que je peux le faire. Oui, je suis plutôt bonne à ça. J'ai failli toucher le sang. Je l'ai eu. J'ai eu un 10. Bien joué. T'arrêtes pas. Je suis un bon tireur, n'est-ce pas? Ah ouais. Je suis fière de toi. Regarde ça. J'ai fait exploser une cible en plein centre. Super. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Je mâche le chewing-gum. C'est à moi. Tu les as mis dans mon pot. Mais ce n'est pas juste. Désolée, ce sont les règles du jeu. Tu n'aurais pas dû accepter. Mes yeux se ferment. Je suis fatiguée. Wow, peut-être que ça va te remonter le moral. Ça a l'air très appétissant. Oui, ce n'est pas le mot. J'ai un énorme morceau de chewing-gum. J'ai besoin d'en casser un morceau dès que possible. Wow. Lily, c'est très bon. Oui, oui, Marie. Non, tu voulais pas te calmer un peu? J'espère que le gâteau va me sauver. Mais pourquoi j'arrive pas à appuyer dessus? Oh, je comprends pas. Ça ne marche pas non plus. Je vais essayer de prendre un couteau. Ça marche? Enfin, j'ai hâte de l'essayer. Voyons voir quel morceau j'ai eu. Ça a l'air super et ça sent encore génial. Oui, le goût est tellement bon aussi. Comme le vrai gâteau Oreo. Tu m'as donné une grande idée géniale. Et si je coupais mon chewing-gum avec un couteau aussi? Oui, ça marche pour moi. Quelle tranche parfaite! On dirait du gâteau au chewing-gum. C'est un gâteau! Pourquoi je n'y ai pas pensé tout de suite? Les gâteaux à la crème font dans la bouche et le dessus a un gomme. C'est une combinaison incroyable. Gâteau au chewing-gum? Pas question, cela n'existe pas dans la nature. Crois-moi, Lily, il y en a.
et c'est délicieux. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir mangé jusqu'à la dernière miette. Il ne reste que des bouchées. Je suis plutôt douée pour ça. C'est ça. C'était vraiment bien. Heureusement que j'ai toujours mon chewing-gum. Oui, c'est génial. Cool. Oh non, peut-être j'aurais pas dû faire ça. Oui, c'est sorti de façon confortable. Marie, j'espère que t'es un seul morceau. Retourne à ta place. Il n'y a rien de drôle à cela. Les choses arrivent. Je vois qu'il te reste encore des biscuits. Bon appétit, Lily. Arrête, arrête. Je suis désolée, Marie. C'est ça, j'en ai marre. Eh bien, je pense que ça s'est avéré très amusant. C'était comme sauter sur un trampoline et maintenant une belle fête. J'ai enfin eu le nouveau numéro de bande dessinée. C'est tellement beau. Je suis très excitée. Wow, Iron Man est génial. Oh, je pense qu'il y a quelque chose de délicieux. Oh, Andy l'a encore fait. Je propose que nous mettions fin à notre guerre et nous mangeons quelque chose de délicieux. J'ai hâte de voir mon nouveau plat. Je propose de garder l'intrigue. Oh, haha, tu m'as cru. Mon Dieu, pas ça! Il vaut mieux remettre le couvercle à sa place. C'est le moment de tricher. On ne dit à personne. Ouvrons enfin les couvercles. Je l'ai déjà fait. Oh mon Dieu! Des piments au chocolat, comme c'est inattendu. Et qu'est-ce que j'ai moi? Non, pas ça! Quelle honte, Betty, quelle honte. Je suis désolée. T'es tellement malchanceuse. Heureusement que j'ai de la chance, moi. Il est temps d'essayer le piment au chocolat. Oh. Non, mais j'ai tellement peur. En fait, c'est pas si mal que ça. Essayons. Une seconde. Je pense que c'est bon, ça. Ah oui, la farce, elle est en chocolat, en fait. Oui, j'ai eu de la chance. Oui. Non, mais j'adore ça. Oui, le chocolat fond dans ma bouche. Alors? Non, mais t'as eu le piment. Alors, et qu'est-ce que j'ai, moi? C'est le vrai piment! Non, mais ça commence à faire chaud ici, au secours! Andy, qu'est-ce qui se passe? Quel cauchemar! J'ai besoin de t'étendre. Non, mais ça va devenir mieux, là. Merci, Betty. Ça a vraiment aidé. Je suis contente. Mais ce n'est pas encore fini! Il faut utiliser quelque chose de plus sérieux que de l'ordinaire. T'entends ce son? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh, quel soulagement! C'est comme si j'avais pris une douche froide. Je me sens à nouveau humain. Je ne mangerai plus jamais autant de nourriture épicée. Betty, range ça! Non, mais j'en ai pas besoin! Je dois t'aider! L'alarme incendie s'est déclenchée! T'es arrivé trop tard! Tu vois, tu n'es plus en feu. Pas besoin de me remercier. Maintenant, c'est l'heure de mon rafraîchissement. Il reste encore beaucoup de chocolat. Bon appétit. Nouvelle nourriture! Excitant! Découvrons ce que c'est. Waouh, un téléphone! Je m'entendais pas à ça. C'est encore mieux que le chocolat. Ça a l'air cool. Il faut regarder de plus près. C'est vraiment génial. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver où se trouve le chocolat. Tu veux pas commencer? Pas de problème, ça ne dérange pas du tout. Je ne sais pas comment l'aborder. J'ai pensé à quelque chose. Il faut le plier en deux. Génial. C'est beaucoup plus pratique. Oui, j'ai pris le chocolat. Je suis très contente de l'avoir fait. C'est si doux, super. Comme je l'aime. Dommage que toutes les bonnes choses aient une fin si rapide. Donc mon téléphone est réel et pas en chocolat. Non, mais ça pourrait mal se terminer. Waouh, Betty, regarde. Des bonbons. Je peux les avoir. Cool. Je vais tout avoir et plus encore. Vas-y, partage avec moi. Pas du tout, le téléphone est à moi, donc les bonbons, c'est à moi. Je n'attendrai rien de ta part. Radin. Tellement de choses. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Betty, regarde. J'ai trouvé quelque chose pour toi. Merci. Je savais que t'étais un vrai ami. Un cafard! Quel cauchemar! Aidez-moi! Non mais...
non, mais pourquoi t'as fait ça? Elle pourrait tomber juste dessus sur moi. Oh non! Le cavard est entré dans ma bouche! Quel cauchemar! C'est toi qui as commencé, ce n'était pas ma faute. Andy, dis-moi, est-ce que c'est pas un cafard? Je me sens malade. Ressaisis-toi, Betty. On dirait que j'arrive un peu trop tard avec les conseils. C'est ton ami, tu es en bonne chance. Je n'en crois pas à mes yeux, c'est une barre d'or! Wow! Moi aussi. Il se reste à savoir qu'est-ce qu'il y a en chocolat. Dans tous les cas, je suis très heureuse. Moi aussi, nous sommes les chanceux. Alors, il est temps de le découvrir tout de suite. J'ai compris. C'est un chocolat. Comme c'est bon! Alors, j'ai de l'or véritable. Mais pourquoi t'as dit ça trop tard? J'ai cassé tous mes dents! Andy, qu'est-ce qui se passe? Hé! Hey, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de dents. Oh, mon pauvre. Je suis désolée pour toi. Oui, j'ai une idée. Maintenant, je vais te faire des nouveaux dents. Oh, mais qu'est-ce que tu prépares? Non, tu me fais peur. Ah ah! Non, mais dites-moi que c'est un rêve. Je ne pensais pas qu'il était aussi impressionnable. Eh bien, c'est mieux aussi. Tant qu'il n'est pas là, j'y arriverai. Je crois que j'ai des dents dans ma bouche. Wow! Comment t'as fait ça? Non, mais j'ai juste utilisé ton or. Quelle lumière brillante. Désolée, je ne serai plus aussi largement. Bien joué. Je suis sûre que nous allons vivre quelque chose d'incroyable cette fois-ci. Cactus? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'espère de ne pas avoir en vrai, mais le cactus en chocolat. Allons voir ça tout de suite. Comme c'est rien de toucher. Ah, mon doigt! Oh non! C'est le vrai cactus! Et il y a un bon côté à tout. Alors, j'ai pris le chocolat. Mais il est quand même préférable de ne pas faire de gestes brusques. Peut-être commencer par les aiguilles. Parce qu'il me faut un peu peur. Je pense que c'est une bonne idée. Oui, j'adore. Oui, ça ne dérangerait pas de les manger d'abord. Disons que c'est un apéritif avant le plat principal. Je n'ai jamais été aussi excitée par les épines. Ce challenge me force à découvrir de nouvelles facettes de moi-même. Les aiguilles comme ça ne me dérangeraient pas non plus. Désolé, mais ils sont déjà épuisés. Ça serait le bon moment pour essayer mon cactus en chocolat. Oh oui, je pense que je peux goûter. Oui, le chocolat fond dans la bouche. Regardez, il y en a beaucoup. Génial, je ne peux pas m'en arracher, c'est le meilleur cactus que j'ai jamais goûté. C'est tout, j'ai fini. T'aurais pu me laisser moi un petit morceau. Andy, je pense pas que t'aies déjà porté une moustache par moi. Oh, c'est du chocolat. Oh, c'est pas aussi drôle que le fait que t'es sur le point de manger un cactus. Une seconde, j'ai besoin d'inviter quelqu'un chez moi. Hé, hey Zach, tu dois m'aider. Urgent. Attendez, et mes cheveux? Viens par ici. Regarde. J'ai besoin de toi pour tailler ce cactus. Ce n'est pas une tâche facile, il faut que je réfléchisse à son style. Eh bien, je vais essayer. Donne-moi du temps. Ça vaut la peine de retirer ici un peu ici. Pas mal. Mais quelque chose de plus court est mieux. C'est le siècle dernier. Tu me mets au défi. Personne n'ose insulter mon travail. Alors? C'est déjà mieux? Mais pas parfait non plus. Ah oui? Alors tiens bon. Cette coupe de cheveux va t'épater. Voyons voir, voyons voir. Oui, c'est très cool, t'es un génie. Voilà, ce genre de travail coûte très cher. Bon, pas aussi cher, mais bon. Pas d'aiguille? Il faut trouver quoi faire avec ce qui reste. Ah oui, j'ai une idée. Voyons ce qui en sortira. Qu'est-ce que t'as fait, Betty? J'ai décidé de presser le jus de cactus. Il s'avère que ce n'est pas si facile. Je suppose que tout le reste peut être jeté. Voilà, maintenant, je vais essayer le boisson que j'ai réussi à faire. Tout va bien? Bien que je pense avoir tiré des conclusions hâtives, c'est juste dégoûtant.
On dirait que ton plan a échoué. Oh oui, Andy, t'as tout à fait raison. Il y a quelque chose qui n'a pas changé. Je crois que j'étais en train de me transformer en cactus. Oui, il faut agir vite. Je vais laisser ici ça et me cacher. Voyons ce qu'il dit après cela. De où, Betty? Oh non! Oh non! Elle s'est vraiment transformée en cactus. Comment c'est possible? Je devais la sauver. Je suis désolée, Betty. Mais bon, maintenant ma sortie. Andy, mon pauvre, ne t'en veux pas. Betty, c'est toi? Je me sens malade. Hop là! Nous avons fait un excellent travail. Bon, pierre, papier, ciseaux. Je gagne. Alors, regardons. Oh, c'est si mignon. Mes Oreos préférés. Yeah. Qui aime les Oreos? Tout le monde. Tout le monde aime les Oreos. Particulièrement la couche blanche. Je pense que ça irait parfaitement avec le chocolat liquide. Je pense que les Oreos eux-mêmes sont assez savoureux. Oui, mais c'est la couche blanche qui est la plus belle partie des biscuits. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir un Oreo très épais. Oui, c'est exactement ce que je vise. Imagine à quel point ce sera délicieux quand je le tremperai dans du chocolat. Oh, regarde comme c'est délicieux. Ouais. Vas-y, mange. Oh, ouais. Waouh. T'as fait tellement rapide. Qu'est-ce qui te retient? C'est à ton tour d'ouvrir le couvercle. Vas-y, Zach. Oui, enfin. C'est étrange. Oh, non. Quel cauchemar. Oh, non. Quoi? C'est bizarre, pourquoi j'aurais besoin d'une baguette magique? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Oh, moi mes cheveux! Ne crie pas, je vais tout faire. Bien que ces cheveux colorés sont bien pour toi. Non, je veux pas les cheveux comme ça, je veux les miennes. Bon, d'accord, je vais réessayer. Non, qu'est-ce qui se passe, Zach? Attention, attention. Oui, c'est fait. Maintenant... J'espère que la baguette magique va m'aider de faire quelque chose de savoureux. Regardons. Oh, wow! Un cafard! S'il n'y avait pas de baguette, j'aurais peur. Mais grâce à la baguette, je sais que le cafard est un chocolat. Donc je peux le manger en toute sécurité. Encore un plus de chocolat. Waouh, c'est délicieux. Et sur ton t-shirt, c'est aussi le cafard en chocolat? Oui, non. Il est vrai, hein? Ah oui, le magicien. Prêt pour se lever le couvercle en premier cette fois-ci. Waouh, une sucette. Sauf qu'il y a un piment à l'intérieur. Je crois que je ferais mieux de repartir avec Monica. C'est vrai. Oh mon Dieu, j'ai une sorte de seringue. Et à l'intérieur se trouve quelque chose de lumineux, espérons-le, de délicieux. Ça a l'air cool. Alors, t'aimes bien? C'est délicieux. Il ne reste plus qu'à mélanger cette gelée avec le chocolat. Je pense que la meilleure façon de le faire est sur une assiette. Oh mon Dieu! Comme ta bouillie semble appétissante. Ce n'est pas du tout une bouillie, c'est de la gelée. C'est délicieux, au fait. Et avec le chocolat, c'est encore plus délicieux et encore plus beau. Oh, regarde, Zach. Je vais faire quelque chose de tellement beau. Awesome. Intéressant. Qu'est-ce que t'as en tête? J'aurais besoin d'une baguette. Wow. C'est magnifique, ça. C'est sûr. Et délicieux. J'ai beaucoup de chance. Alors... Commençons. Oui, Monica. T'as eu vraiment beaucoup de chance. Merci. Comme c'est bon. Je t'envie. C'est bon, j'ai terminé. Pourquoi tu manges pas?
Vas-y, c'est ton tour. Oh oui, d'accord. Je vais tout manger. En fait, la sucette est censée être délicieuse. Alors, va voir. Oui, j'avais raison. C'est délicieux. Et si t'ajoutes un peu de chocolat, c'est juste génial. C'est très appétissant. Alors, c'est sympa le goût du piment? Non, c'est bon. C'est juste que, ouais, cool. C'est génial. Wow. Et pourquoi j'avais si peur? Oh, oh, c'est chaud. Non. Ah, je brûle. Je brûle vraiment. Oh, Zach, quel cauchemar. Non, qu'on s'est pissé. Sauvez-moi. Ah, bon, bon, je vais te sauver. Ouvre ta bouche. Ouais. Encore. Merci, Monica. Sans toi, je serais certainement épuisée. Ouais. Je me demande ce qui nous attend cette fois-ci. J'ouvre. Ouais. Oh, c'est génial. J'ai un iPhone. Et aussi un moitié pop-it. Génial. J'espère que je recevrai quelque chose d'aussi cool. Oh non. Quelle horreur! Je déteste les créatures marines! Surtout les pieuvres! Regarde comment ils sont dégoûtants! J'espère qu'au moins le chocolat changera le goût de cette chose dégoûtante! Moi! Vas-y, vas-y, Zach! Oh non, c'est vraiment un cauchemar, ça. Oh non. Comme c'est horrible. Oui. Grâce à toi, la popularité en mon TikTok est garantie. Oh non, c'est horrible, ça. Ah, tu rigoles, ça. Alors, je vais te faire peur. Oh. Non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais peur? Laisse-moi être populaire en paix. Alors, une pieuvre savoureuse? Non, ce n'est pas bon du tout. C'est juste dégoûtant. Ouais. Monica, tu sais que tu devais tremper ton téléphone dans du chocolat. Oui. Malheureusement, je viens de m'en rendre compte. Adieu, mon nouvel iPhone. Ça a été un ami fidèle pour moi. Je dois lécher tout ça. D'accord, vas-y, mange. Le chocolat est bon. Je vais essayer de mordre. Oh! Wow. Je pense que l'iPhone s'est aussi attaché à toi. Alors, regardons ce qu'on a. Awesome. Une pomme. C'est délicieux, il sent. Yeah! L'oignon? Ce n'est pas savoureux. Même si c'est ça. Ouais, c'est dégoûtant. T'as de la chance. Vas-y, commence. Une pomme peut être rendue beaucoup plus savoureuse avec différents saupoudres. Si tu la trempes dans du chocolat plus dans les paillettes colorées, une pomme ordinaire se transforme en quelque chose de savoureux. Je vais utiliser une baguette. Je trempe dans du chocolat. Ça a l'air joli déjà. Ouais. C'est mignon, ça. Et maintenant, je trempe dans quelque chose de très cool. Regardez. Comme c'est brillant et cool. Vas-y, goûte. Alors, c'est bon? Très bon. Oui, je suis tellement contente. La pomme et le chocolat semblent délicieux. Mais c'est encore plus bon avec les trucs en plus. C'est absolument magnifique. Oh, ça a séché sur des lèvres. Tu ressembles à une pomme maintenant. Ça n'est pas drôle. En fait, je suis même plus sucrée maintenant que j'étais avant. Et tu n'y rirais pas. Tu devrais manger plus d'oignons. Au moins, tout avait un bon goût pour moi.
Oui, c'est vrai, l'oignon m'attend. C'est vrai, j'ai une idée. Si Monika a été vraiment si contente à propos de sa pomme, alors ces trucs en plus sont vraiment bons. J'espère qu'il me doit me débarrasser du goût de l'oignon. Oh, je pense que rien ne peut tenir les oignons. Ouais, on va le découvrir. Peut-être tu te moques de moi. Regarde, ça a l'air cool aussi. T'as vu? Ouais. Oh, Zach. Je suis désolée pour toi. Et bon, c'est parti. C'est très bon, ça. Non! C'est horrible! Je vais vomir. Il faut manger et pas penser au goût. Non, c'est pas dégoûtant. J'ai envie de pleurer aussi comme une fille. Ouais, regarde-toi. Non, c'est comme les ordures dans ma bouche. Il faut faire quelque chose à propos de ça. Au moins la fontaine de chocolat. J'espère que ça va m'aider. Ouais, Zach. T'as pas eu de chance aujourd'hui. Et t'as la moustache en chocolat. Et la barbe aussi. Oh non, je vais pas m'inquiéter pour ça. J'ai une tâche très simple pour vous. Faites des œufs. Y a rien de plus difficile. Pas si, elle, ça sera mon chef d'œuvre. Grand-mère, arrête de dormir. Le challenge a déjà commencé. Oh, des œufs. Oui, merci, petit-fils. Eh bien, il est temps de commencer. Marie, moi aussi, j'ai besoin de l'huile. Bien sûr. Ouais, quels œufs sans huile? Et pourquoi ça ne coule pas? Stupide bouteille. Ouais. Mais bon, on peut jamais avoir trop d'huile. Ted, maintenant tu prends un œuf que tu dois écraser dans la poêle à frire. C'est très simple. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il n'y a rien de plus facile. Kia! Kia! Oups! Oui, comme ça. Presque réussi. Vous ne pouvez rien faire. Je peux absolument les battre. J'ai la cuisine dans le sang. Et les œufs sont trop faciles. Je vais faire quelque chose d'un peu plus amusant. Tout d'abord, je vais séparer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Ensuite, je vais secouer les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient moisseux. Et ça va être de la mousse. Pourquoi elle fait cela? Je sais pas du tout. Voilà, ça sort très bien. Maintenant, je dois donner un coup de fouet au jaune d'œuf et le verser dans la poêle. Regardez, apprenez. C'est un peu bizarre tout ça. Pourquoi t'as dû séparer les œufs? Parce que c'est ainsi que tu peux transformer les œufs brouillés en quelque chose de plus sophistiqué. Regardez, mon plat a l'air tellement noble. J'adore ça. Oh oui, c'est très noble. Et moi, par contre, je mets juste assez de sel et de poivre pour que mes œufs brouillés aient meilleur goût. Ted, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est chaud! Pourquoi est-ce que ça siffle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Non, mais ça va me tuer! Il est peut-être temps d'éteindre la cuisinière? Non, mais regarde! Non, ça n'a pas brûlé! C'est comme ça que ça devait être! D'autant plus que je peux arriver facilement et épicer le goût de mes œufs brouillés déjà délicieux avec quelques gouttes de crème fouettée! C'est pas beau, ça! Oui, c'est prêt pour moi aussi. Waouh! Marie, t'as réalisé quelque chose de très spécial. C'est tellement intéressant de le toucher.
Belle pâte. En fait, c'est un chef-d'œuvre culinaire. Kate. Oh, ma chérie. Je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que cette œuf noire avec de la crème blanche dessus? Je n'arrive même pas à couper tout ça. Et les œufs brouillés du centre ont l'air très bons et appétissants, cependant. Il ne reste plus qu'à goûter. Oh, miam! C'est exactement ce que je voulais. Je me demande qu'est-ce que c'est que ça? Ça semble très étrange. Je vais goûter. Le goût est plutôt bon. Mais je préfère les œufs brouillés les plus ordinaires, mais toujours très savoureux. Mamie, t'as gagné! Je t'aime. Mamie a gagné. Mamie a fait tout le monde. Dans ce tour, vous devrez me régaler avec un délicieux burger. Oh, à nouveau facile. Je comprends rien. J'adore les burgers. Tant que je ne vais pas les manger moi-même. Elle est temps de commencer. Bon, il est temps pour moi de me préparer. Non, la tomate est à moi. Tu peux pas prendre comme ça, tout ça. Parce que je vais préparer le burger le plus sain pour ma petite fille. Je n'aurai pas besoin de la viande. Oh, c'est pas bon pour la santé. Oh non, mais arrêtez-vous. L'essentiel est de cuisiner avec l'amour. Alors mon burger sain ne sera pas seulement sain, mais sera aussi délicieux. Je vais mettre des tomates, des concombres, des oignons, la salade et c'est fait. Eh oui, ça je comprends, le burger sain. Pas comme vos conneries. Même les chèvres du pré ne mangeraient pas autant d'herbes. Et vous allez donner ça à votre petite fille. Oh, quel burger sans la viande! C'est la chose la plus importante. Mais il faut aussi se souvenir du fromage et de la sauce. Génial! Je bave déjà. Oh! Des oignons stupides! Qui a eu l'idée de les mettre dans les burgers? Oh, je vais laisser tomber. Je n'ai pas cuisiné ça. T'inquiète. Vas-y, mange du chocolat. Du chocolat? C'est vrai! C'est une excellente idée! Pourquoi faire un burger ordinaire quand tu peux le rendre sucré et chocolaté? Oui, le résultat est vraiment cool. Il ne reste plus qu'à mettre un peu de chocolat à l'intérieur. Je suis sûre que Kate va adorer. Vous ne pouvez jamais voir quelque chose comme ça. Elle a serré sur le gâteau et le sirop de chocolat qui donne au burger un aspect appétissant. Cool. Waouh! Je n'ai jamais vu de burger au chocolat auparavant. Je pense que ça va être délicieux. Je suis absolument ravie. Voyons ce qu'il y a d'autre. Elle est où la viande? Non, mais je suis pas une chèvre. Le goût, c'est trop sain. Non, j'ai pas aimé du tout. Et voilà le troisième. Ce burger a l'air bien plus cool. Oh, waouh! Juste ce qu'il faut pour un déjeuner. Mais quel burger choisir? Sucré ou copieux? Oui, j'aime mieux la version sucrée. C'est plus original. Ouais, j'ai gagné! Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je décrète. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Je vais montrer un cours de maître. C'est fructueux. Mais je sais pas comment les cuisiner. Qu'est-ce que je suis censé faire? Très bien, c'est parti.
Ma seule chance est de jeter un coup d'œil furtif à la façon dont les autres cuisinent. Apparemment, il faut commencer par le lait. C'est l'heure des œufs. Et maintenant, devons rajouter de la farine et lui donner un bon coup de fouet. C'est juste au cas où vous aurez tout oublié. Chérie, je suis une grande mère. Je n'oublie rien. Et je n'ai pas besoin de vos trucs électriques. Mais qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Je suppose que je dois le limiter à une fourchette. Mais bon, c'est mieux que rien. Oh, c'est vraiment horrible tout ça. Ted, regarde et apprends. Les crêpes de grand-mère sont les plus savoureuses. Magnifique. Je pense que ça va être très bon. Et j'adore, c'est même doré. Et j'adore le goût. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je veux que les crêpes aient l'air cool aussi. S'ils sont lumineux, ils restent une expression bien plus agréable. Je vais devoir vous décevoir, mamie. Vous avez déjà perdu. Et si les crêpes ont aussi une forme inhabituelle? Vous allez vraiment perdre. Oh, je suis une génie, moi. Je ne vais pas faire juste une forme ordinaire. Je vais faire le portrait de Kate. Je suis sûre qu'elle va adorer. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je n'ai rien de près du tout. Peut-être que si je versais tout ça dans la poêle, ça fonctionnerait. Kate, regarde. C'est magnifique. Non, mais vas-y, c'est mes crêpes et sont plus savoureux. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ma crêpe. Oh, voilà. Oh, quelle puanteur. Bon, j'ai terminé aussi. Ça a l'air super tout ça. Mais je veux goûter ça en première. Oh, je pense que cette fille me ressemble beaucoup. Je n'ai jamais vu mon portrait sur une crêpe auparavant. Et la crêpe a un goût incroyable. Génial. Et ce morceau brûlé n'a pas du tout l'air appétissant. Not. Je suppose que je ne vais même pas essayer. Il faut que j'essaie les crêpes de la troisième assiette. Oh, miam! Ces crêpes sont certainement les plus savoureuses de toutes. Mamie, t'as gagné! Ouais, je le savais. Petite fille, t'as bien fait. Je vais vous montrer. Oh, il faut respecter. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi de délicieuses crêpes. Et des crêpes, je suis capable. J'ai fait tellement de crêpes dans ma vie. Je connais la recette par cœur. Tu commences par mélanger la farine et le lait. Puis tu bats un œuf dans le mélange. Et voilà. Zach, qu'est-ce que t'attends? Répète après moi. Comment il faut faire? Bon, j'ai un plat creux, il ne reste plus qu'à y verser la farine. Plus il y en a, mieux c'est. Oui, c'est pas si facile de s'occuper de la farine. Ouais, les œufs. Faut faire attention avec eux aussi. Il faut pas oublier le lait. Waouh! Mamie! Ouais, la pâte prête! Ah oui, il y aura des crêpes aussi! C'est génial! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mamie, c'est votre faute! Je me suis laissée distraire par vous et j'ai accidentellement versé ma pâte! Mais c'est pas grave, je pense qu'après l'avoir secouée, ça ira! Je pense que ça ira! Oh non! Ça s'est coincé! C'est où ça? Oh non! Comment les faire sortir?
Je pense que c'est dans ma pâte pour toujours. Ah oui, Zach. Tu n'es pas un grand cuisinier. Et je vais devoir faire les meilleures crêpes moi-même. Moi, j'ai pas de concurrence de toute façon. Regardez cette beauté. C'est un plaisir. Bien sûr, il faut arroser ces pancakes de sirop d'érable. Ça va être encore plus savoureux. Un peu de beurre? Ouais, ça ne ferait pas de mal non plus. Oui, mamie a réussi. Il faut colorer les crêpes. Ça va être encore plus intéressant. Waouh! Génial. La pâte est prête? Oui, on allume la cuisinière. Voilà. Mes crêpes vont être géniales. Ça va être brillant et super bon. Oh, c'est vraiment mignon ça. Maintenant, je tourne cette crêpe. Voilà. De l'autre côté. Et je mets tout ça sur l'assiette. Oh non! Tout le monde a eu des crêpes si bon! Qu'est-ce que je vais faire moi? C'est vrai! Mais pourquoi faire la pâte si je peux juste prendre la pâte déjà faite? Voilà, je vais le faire avec du pain. Et pour qu'il soit encore plus bon, je vais verser de la crème fouettée. Ouais, je pense que ça va être génial. La crème fouettée, c'est toujours cool. Voilà. C'est presque prêt. Quelques touches finales. Génial. Kate, il est temps de choisir le gagnant. Waouh! Je m'attendais pas à une telle variété de crêpes. Je pense que j'ai commencé par ça. J'espère qu'ils vont pas me décevoir. La pâte est un peu bizarre. Oui, ça me va très bien. Génial. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est bizarre. C'est original, mais est-ce que c'est bon? Oh, oui. J'aime vraiment beaucoup. Ouais. Alors, il reste le dernier candidat. Mamie, j'espère que tu ne vas pas me décevoir. Tellement appétissant! Oh oui! Génial, j'adore! Mamie, t'es la meilleure! Tu sais mieux que quiconque faire de délicieuses crêpes! Ouais! Ne soyez pas déçus, vous aurez de la chance un jour! Vous êtes prêtes? Alors préparez-moi un délicieux chocolat chaud! Ça va être fait? Facile! Pendant que tout le monde discute, moi le plus intelligent, j'ai du gus de Nutella. Isaac, tu devrais avoir honte. J'ai besoin de ce Nutella pour faire du chocolat chaud à Kate. J'ai l'intention de gagner cette tour aussi. Pour cela, je dois mélanger le Nutella au lait. Puis je vais mettre ce mélange sur le feu et bien sûr remuer le tout. Génial. Oh oui, j'aime beaucoup l'odeur. Il est temps que je mette à cuisiner aussi. Sauf que le lait ne s'ouvre pas. Vas-y! Oh, oh non! Maintenant, je suis couvert de lait aussi. Faut absolument que je gagne. Oui, pour cela, j'utilise les barres chocolatées préférées de tous les habitants de la planète. Avec elles, je suis sûre de garder mon visage propre. Oh, regardez, apprenez. Le chocolat chaud appartient au passé. Aujourd'hui, le chocolat est servi à part parce que c'est plus joli. Et c'est aussi son meilleur goût. Bon, on prend le chocolat liquide. On l'étale sur le moule spécial pour qu'il prenne la forme d'une boule. Après, ça va être vraiment super beau. Je mettrai du cacao à l'intérieur. Et le marshmallow, bien sûr. Je ferme tout ça. Voilà. Et un peu de décoration. Je pense que c'est super. Maintenant, je verse le lait chaud. Je vais juste
mettre une boule et ça va être chocolaté. Oh, n'importe quoi. Ma petite fille n'aime pas ça. Elle aime le cacao fait maison. Moi, je l'aime bien aussi. C'est quoi l'odeur? Zach, tout chaud qui brûle. Oh, je vais tout étendre. Mais pourquoi le chocolat se fondit pas? J'ai rien cuisiné du tout. Oh, waouh! Bon. Oui, ça doit être comme ça. Alors, Zach, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est le cacao, le chocolat chaud? Je ne pense pas. Mais je vais quand même essayer. Non, mais c'est juste beaucoup de chocolat. J'aime pas. Alors, qu'est-ce que mamie m'a fait? Oui, du cacao fait maison. Avec des biscuits. J'adore. Et voilà le dernier candidat. Ouais, c'est super intéressant. Ah, j'ai compris. Il faut le mettre juste ici dans le lait. Wow! C'est de la magie, ça! Est-ce que c'est vraiment chocolaté maintenant? Je vais essayer. Oh! Oui, c'est vraiment génial! Et voilà, c'est évident! Tina, t'as gagné! Bien sûr, c'était vraiment évident. Je suis la seule professionnelle. Maintenant, je veux un gâteau. Un gros et un délicieux gâteau. Ouais, je sais très bien le faire. Oh, c'est facile, je peux facilement m'en couper. C'est bien que mamie connaisse les goûts de sa petite fille. Je peux faire exactement le type de gâteau que Kate préfère. Et je le ferai en forme de cœur, pour qu'il soit aussi très mignon. Oui, c'est super mignon, ça. Oui, je vais mettre de la crème, bien sûr. En fait, plus il y a de la crème, plus c'est bon. Alors, je vais étaler de la crème sur chaque millimètre du gâteau. Et voilà la spatule. Et je vais tout bien, bien étaler. C'est fait. Comme c'est bon, ça. Voilà la décoration du gâteau. Et les meilleures décorations, ce sont des baies toutes fraîches. Je coupe les feuilles et voilà, je décore le gâteau. Ça va être super cool et super bon. Alors, vous aimez bien ça? Oh, un peu mal. Je m'entends vous montrer comment faire un gâteau délicieux. Je divise les gâteaux en deux, puis je coupe une tranche. Voilà. C'est fait. Ensuite, il faut répéter les gestes de la mamie. Oui, oui, mais pas pour longtemps. Une fois chaque gâteau couvert de crème, il est temps de retourner notre construction. Voilà. Nous avons donc la base du futur arc-en-ciel. Et maintenant, on va tout bien colorer. Je suis sûre que Kate a encore gâté un gros gâteau arc-en-ciel. Et avec la spatule, je vais faire comme ça. Génial. Et maintenant, un peu de décoration, bien sûr. Oui, le petit arc-en-ciel avec une jolie drôle de tête, ça va être super. Des petites nuages, bien sûr. Voilà, mon chef-d'œuvre est prêt. Pourquoi vous faites comme ça? Elle va quand même le manger, il faut juste mettre beaucoup de crème. Quoi? Non, mais ça a l'air super. Mais je veux tout bien réparer. Bon, je vais juste vendre le chocolat rose. Je pense que ça va être vite. Ouais. Ouais, génial. Et c'est bon en plus. Maintenant, je vais verser le chocolat sur le gâteau. Avec un moule spécial. Oui, il faut pas oublier la décoration. Regardez. C'est cool, hein? Tadam!
C'est super beau. Génial, j'ai bien aimé. Oui, tout le monde a bien essayé. Mais je vais commencer par le gâteau de Tina. Il est super bon. Oui, c'est cool, mais il manque quelque chose. Mamie, j'espère que j'ai bien aimé ton gâteau. Il manque quelque chose. Zach, t'as fait un gâteau parfait, n'est-ce pas? Oui, mais les apparences sont trompeuses. Oh oui, j'adore le goût. Génial. C'est super bon. Zach, félicitations, t'as gagné cette fois-ci. Le voilà. Ouais, je pensais que je pouvais pas attendre, ouais. Oh, waouh. Tellement de nourriture. Alors, je veux du pop-corn. Ah, je vois, d'accord, chérie, c'est facile. Je vais faire bouillir le maïs tout de suite et ça fera du super pop-corn. Quoi? Pourquoi le faire bouillir? Il y a des grains. Tu le verses sur une assiette et tu l'échauffes. Comme avec en ses cheveux. Aïe! Non, mais attention! Non, mais il t'a trouvé enjoué. T'as failli casser mes lunettes. Donne-moi ça. Je crois qu'il y a quelque chose de coincé dans les oreilles. Je suis désolée, mamie. À quoi je dois penser alors? Oh, c'est vrai! Je vais faire une gaufre au pop-corn. Je vais mettre les gants comme ça et j'ajouterai du Nutella. Le bébé va adorer. Ces gants sont personnellement récoltés par moi. Elles peuvent donc être utilisées en toute sécurité. Le pop-corn du chef dépassera les attentes. Après tout, il sera aromatisé aux Skittles. Le bonbon le rendra acide et la guimauve le rendra sucré. La combinaison parfaite de saveurs. Ne reste plus qu'à emballer dans du papier d'aluminium et le faire rôtir en chalumeau. Apprenez à cuisiner, les gars. Merveilleux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Oh oui, c'est parfait. J'en bave déjà. Quelle odeur, c'est juste qu'il faut. Voilà, je mets tout le pop-corn dans le seuil et voilà. Là, 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 là. Oh, le maïs est prêt. Sortons-le. Super. Je vais le mettre dans une assiette. Et ensuite, je vais mettre du beurre. Ouais. Comme c'est appétissant. Oui, j'ai tellement envie. Ouais. Pourquoi ça a pu le brûler? Je comprends pas. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais arrête! Non, mais qu'est-ce qui se passe, mamie, Jojo? Oh non, ma gaufre! Non, elle... C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Oh, ça pue! Bon appétit, bébé. Cool! C'est quoi ce charbon de bois? Est-ce qu'il est comestible au moins? Non, je vais pas risquer. Alors? Oh, c'est du maïs et où le pop-corn? Alors, je vais goûter. Non. C'est vraiment pas ce que je voulais. Ouah! Et ce seau, oui! Même il y a des ponces! Ah, ce soit a l'air vraiment cool, c'est de la guimauve. Waouh, c'est tellement bon, merci chef, t'as gagné. J'aime beaucoup ton pop-corn. Oh, très gentil. Je suis heureuse de faire de mon mieux. Ouh, n'y touche pas, c'est pour bébé. Maintenant, faites-moi des cake pops. Quoi? Bon, je vais essayer. Oh, hein? Ouah, c'est beaucoup de travail. Banzai! Non, prends ça! Ouah! 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 Aïe! Ouah! Ouah! Je crois que ça y est.
Les biscuits Oreo sont émiettés. Maintenant, je vais ajouter mon Nutella préféré, mélanger le tout. Comme ça. Et maintenant, je mélange le tout. Oui, j'adore ces boules. Ouais. Wolverine, et un mouvement, attention! Je crois que tout est prêt. Ça a l'air très appétissant. Et voilà, il ne me reste plus qu'à enlever les boules de sirop de fraise. Rendre mes Kick Pops plus sucrés. Et je pourrais les décorer avec des paillettes colorées. Ouais, je l'ai raté un peu. Et bon, c'est plus rapide comme ça. Tadam! Ouais, quel bon travail que tu fais. Et bon, je me mets au travail. Je vais verser de la farine, du lait frais et je vais casser deux œufs. Maintenant, il faut tout mélanger avec un fouet pour faire une pâte. Voyons ce qu'il en est. Oui, mamie est contente. Tu peux mettre la pâte dans ses moules et le faire cuire au four. Comme ça. Oui, j'y vais. Chef a toujours un tablier au chocolat prêt pour une telle occasion. Ne risque pas de déchirer un morceau et perdre des pépites de chocolat dans le mixeur. Super. Voilà. C'est parfait. Maintenant, je vais ajouter le lait concentré et rouler la pâte en boule avec mes mains. Comme ça. Je ne peux faire confiance à personne d'autre que moi pour faire ça. J'ai besoin d'un moule parfaitement rond. Et voilà, je mets tout cela. J'ai plus besoin de gants. Il est temps de passer à la décoration. Oh, comme c'est excitant! Voilà, je vais commencer par la tablette de chocolat jaune. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Maintenant, je vais colorer mon Kick Pops. Oh oui, c'est parfait. Maintenant, ce sont des petits dorés. Je vais dessiner le Pikachu, voilà. Ouais, mes boules sont prêtes aussi. Quelle odeur! Maintenant, je vais les décorer avec la crème. Et ensuite, voilà la guimauve. Seulement avant, je vais la couper pour faire des pétales de fleurs et mettre une baie au centre. Voilà, regardez. Et maintenant, je vais mettre une baie. Oh, c'est cool et beau, hein? Oui, le pot, c'est un super pot. Tout pour mon petit bébé. Hé, sors de ma tête, mamie! Une brochette verte fera l'affaire. Ouais, quelle hue! Bon, l'important, c'est que la fleur soit prête. Il ne reste plus qu'à la planter et à l'offrir à bébé. Je vais faire un service original aussi pour faire plaisir au bébé. Alors, qu'en pensez-vous? Cool! Oui, nous sommes prêts! Je me demande, par où commencer? Oh oui, ça ressemble à des K-pops que j'ai dessinés alors. J'aime bien. Merci, mon frère. Quelle jolie fleur. Mamie a fait de son mieux. Ça sent bon. Et quel est son goût? C'est très bon. Merci. Et les pétales sont superbes. Où sont les Kick Pops? Vraiment bizarre. Oh, wow! Mes préférés. Cool. C'est Pikachu. Je l'adore. Bravo, chef. Je goûte. Oui, le goût est vraiment pas mal. Alors, le choix est vraiment difficile. Le chef ou la mamie? Vous en pensez quoi? Bien sûr que Pikachu est le plus cool. Oh, oui, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et bien sûr, c'est grand-mère qui a gagné. Ouais, merci. Merci, ma chérie.